le setup qu'on a fait à Pordic quand même, franchement. Donc là, on se retrouve dans une salle de... donc on se retrouve dans une salle de gymnastique qui nous a été donc avec qui on fait un stage, une personne avec qui on fait un stage qui est pas là pour le moment mais qui va arriver. Et donc on fait un stage d'une semaine de parcours. Donc là, en l'occurrence, on est mercredi. Donc on a fait déjà 2 jours, on s'est entraîné et tout. Donc avec plein de trucs sympas, notamment des entraînements salto, des entraînements ainsi de suite, entraînement même pour, comme tu peux voir qui est là-bas, entraînement tenue, genre, des trucs assez bien sympa. On n'est pas avec Pierre cette semaine, parce que ce petit con n'est pas là. Meanwhile. Mais on va le retrouver bientôt sur des prochaines vidéos, parce que de toute façon il revient dimanche. Voilà, voilà, on a franchement on a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette salle parce que ça permet vraiment d'avoir plein de trucs différents. Donc on va aller partir déjà s'échauffer. Puis est-ce qu'on les prend en embarqué pour la pour l'échauffement? Ouais. Et ben c'est parti. On a fini l'échauffement, on va se mettre tranquillement sur un renforcement musculaire. Donc ici on a donc des barres, donc les barres qui vont vraiment être assez sympathiques parce qu'il faut monter en tension, donc ça fait travailler tous ces muscles qui sont ici. Ici on a une montée de genoux. Classique. Ici vous pouvez voir au sol, enfin, je sais pas trop si vous pourrez voir, on a des pompes. Là-bas, les ballons qui sont là-bas, c'est des ballons de 3 kg. Ces ballons là ils sont vraiment utiles parce que à faire travailler tout ce qui est ceinture abdominale. Et on a une corde là-bas, l'objectif ça va être de monter assez haut, il y a un liseré en fait rubalisé. Donc on va essayer de monter là-haut. Later that same evening. Twelve seconds later. Ouais, c'était bien ça, Steven. Je vois pas de quoi tu veux parler. Puis c'est beaucoup plus stylé. Bah, au moins les genoux au niveau du. Non. Allah Akbar! D'accord, là ce que t'as fait, c'était partir de bêtises. C'est ce que la plupart du temps les débutants ils font parce que
quand tu sautes et quand tu vas partir, tu recules les fesses. Ah, d'accord. Et donc, bah, là, si tu recules les fesses, si tu, en gros, si tu sautes et tu recules les fesses, c'est exactement ce que tu as fait. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as vu comme il avait ça. C'est pour ça que la combattie, c'est dur. En fait, il faut un moment. Ah, celui-là mon pote.